Cette mobilisation en faveur de nos candidats du second tour ne doit cependant sous aucun prétexte faire oublier les avertissements qui ont été adressés à tous les responsables politiques, nous compris, lors du premier tour de ces élections régionales. L'unité dans la famille des Républicains, l'union avec le centre, le refus de toute compromission avec les extrêmes ont permis ces résultats. Ces principes doivent rester les nôtres dans l'avenir. Je veux souligner, s'agissant de l'unité et de l'union, qu'elles ne peuvent pas être de circonstances, mais traduire la volonté déterminée de tous les responsables de l'opposition d'avancer ensemble vers les prochaines échéances.